Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes tous extrêmement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est illégal ce que je fais. Je parle et je tourne une vidéo en conduisant sur l'autoroute. Il ne reste plus que quelques kilomètres et on va tout simplement arriver à la destination qui va nous amener un petit chat. Et oui, qui n'a jamais rêvé d'avoir un petit chat à la maison? Et bien ce qu'on va faire avec Eva. En plus, il y a Théo derrière. Dis coucou Théo. Salut les gars, j'accompagne. Je suis le maître savant chercheur de chats dans les Landes. Donc du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, c'est une famille qui nous le donne en fait très gentiment. Mon prénom actuellement, c'est Noupi. On verra le prénom, les gars. Après, à vous de décider dans les commentaires le prénom. Mais bref, on verra ça dans le reste de la vidéo. Et on met le code créateur Brice dans la boutique for life, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous une fois qu'on arrive chercher le petit chat. Là, il ne nous reste plus que quelques mètres. Bon, alors, je vais vous la présenter une première fois. Elle fera ses premiers pas à l'appartement. On a été la récupérer, c'était une petite famille hyper gentille et tout. Trop cool. Et voilà. Ceci est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Je vous fais une grosse dédicace. Si jamais tu veux passer dans la vidéo de demain, abonne-toi à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et tu auras une chance de passer dans la vidéo de demain. Regardez qui c'est qu'on s'en occupe. Eh, vous le voyez pas encore, hein. Allez, à tout de suite. On est à la maison, les amis. On est avec le petit chat. Regarde, montre le chat, mais. Oh, hey, fais des bêtises. Non, pas content là. Bon les amis, jusqu'à présent le petit chat a été flouté juste avant pour vous laisser le suspense. Et je vais vous montrer le petit chat, quoi est-ce qu'il ressemble. Attention, ne bouge pas Théo, reste là. Et voilà le petit chat. Oui. Oula, dis donc, voilà, dites coucou à Noupi. Wow, dis donc, il est un petit peu timide pour l'instant à la caméra, il a peur là, oula. Bon, pour l'instant il est un petit peu peuré, il a un petit peu peur parce que il vient d'arriver il y a même pas 30 minutes à la maison. Son prénom d'ailleurs, je tiens à vous le dire, son prénom de ses anciens propriétaires c'était Noupi. Sauf que moi j'ai pensé à d'autres prénoms, j'ai pensé à Comet, mais Théo il trouve que c'est nul à chier comme prénom. Je suis dégoûté quoi. Ce que je vais faire c'est que du coup, une fois que cette vidéo va sortir là actuellement, il y a une story sur mon compte Instagram du coup qui s'affiche à l'écran. Ou tout simplement, vous allez pouvoir choisir le prénom du chat. Est-ce qu'on garde le prénom Noupi N-O-O-P-Y ou alors est-ce qu'on choisit le prénom Comet? Trop mignon Comet frère. Noupi c'est aussi mignon, je peux comprendre. Du coup ce qu'on va faire les amis durant cette vidéo c'est extrêmement simple. Nous allons monter ce super arbre à chat qui va nous prendre je pense 3 heures à monter Théo. 3 minutes. 3 minutes. Oui. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer tout simplement le petit distributeur à croquettes. En fait sur le distributeur à croquettes, les gars, regardez, il y a une petite caméra juste ici. Et avec mon téléphone à distance, je peux donner des croquettes et je peux voir en direct son petit visage et tout. Donc du coup c'est extrêmement simple ce qu'on va faire Théo, pose la caméra et petit timelapse le temps qu'on monte l'arbre à chat et après on va voir ses réactions sur l'arbre à chat. D'ailleurs ce qu'il faut savoir les amis c'est que regardez à quoi ressemblera l'arbre à chat à la fin. Il y a tout simplement un petit étage pour jouer là, pour gratter là les grattoirs. Ensuite il y a un petit étage chill où il peut se détendre. Théma le hamac, le bâtard il va avoir un hamac, même moi j'ai pas ça chez moi. Et juste au dessus il y a un petit espace pour dormir tranquillou. Regarde le petit chat, est-ce que tu trouves ça joli? Oh bah il est parti. Allez Théo, faut commencer à monter. Théma la notice les gars. Regardez la notice frère, c'est un enfer, on comprend rien. Ah donne c'est bon, après c'est le numéro là. Ah il y a écrit le numéro dessus. Ah non. Il avait dit 3 minutes hein. Bah maman il était bourré ou quoi? Wesh rien. Il est con. Il essaye de... Attends j'essaie de vous filmer attends. Il est en train d'essayer de jouer avec la caméra. C'est pas possible. T'es con quoi toi? T'es comme ton maître. Quoi? À un moment il faut mettre l'étage où tout simplement il va pouvoir être tranquille et pouvoir dodo juste là en fait. C'est l'étage du hamac. Voilà, là t'es beau, hein? Là t'as une belle tête de gland. Ok, c'est ça? Mais non je crois que c'est ça là-bas, regarde. Ah oui, c'est ça? Bah oui, quand même. Ah oui, regardez, attendez, je vous montre. Je vous montre, regardez, elle est en train de découvrir la vie. Ah, regardez là, elle regarde dehors. Eh oui, coucou toi, eh loulou. Ah, tu fais trop le roi lion toi le chat là, alors que t'es mignonne. Ok, donc ça, l'étage du hamac est terminado. Mais moi je t'explique, le chat ne va jamais s'allonger là. Ah ouais, tu penses? Ah jamais. Ah moi j'y crois fort. Ah Noupi, tu vas y aller hein. Il manque le dernier étage. Et là je fais de la merde, c'est comme ça. Ouais. Ils ont mangé un revers. C'est même que sur la photo, mais c'est à l'envers. Ah j'ai compris. Ce que je vais te dire. Genre, comme ça. Non. Je ne comprends pas comment ça marche. Je ne comprends pas comment ça peut ressembler à ça avec un truc qui est tout mou. Les hommes et le bricolage. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des trous là aussi en fait. Bon, vous savez quoi les amis? Je pense que vous voyez que c'est en galère depuis 30 minutes. Ce que je propose, c'est qu'on coupe le rec et qu'on reprenne une fois qu'on a fini. A tout de suite. Ok les amis, nous arrivons vers la fin et regardez, c'est le grand moment, le grand spectacle. Attention, est-ce qu'il y aura un petit saut? On en aura un petit saut. Allez Noupi. Oui. Allez, vas-y, saute. Oui.
Bon, en tout cas les amis, l'arbre à chat a été fini de monter par les soins de Eva. Putain, mais il est vachement grand. Il est presque plus grand que toi. Ouais, c'est incroyable. Bah, et dis donc, bah et vas-y viens. Ouais. Ça y est, c'est Spider-Man. Ouais, oh. Oui, dans la bouche, c'est bien. Bon Noobie, maintenant tu as un super hamac. Donc t'as intérêt à aller à l'intérieur, je te le dis. Hein, tu vas venir maintenant et puis on va aller t'installer dans le petit hamac. Oh, dis donc, oh là là, ça c'est mignon ça. Et regardez la particularité de ce chat, c'est ses patounes. Mais viens voir. En fait, si je veux savoir, ça va bien. Ok les gars, déjà l'arbre à chat a été fini de monter. Théma, la hauteur du bail. Donc je vais le mettre ici. C'est presque ma taille. Je vais le mettre ici et on va essayer de mettre Noopy sur le petit transat et essayer de le faire jouer avec pour voir. Noopy ! Noopy, bah pourquoi tu pars ? Viens, eh oui. Hop là, allez viens. Oui ! Regardez, on va essayer de le mettre dans le hamac pour voir. Regarde. Hop là ! On est pas bien là ? J'ai payé ça 40 balles. Allez, joue avec ça au moins. Joue avec ça. Vas-y. Fais semblant s'il te plaît pour la vidéo. Allez. Oh oui, ah, ça tu vois la souris. Ah, elle aime bien les souris. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-la. Waouh, elle est belle. Regardez-moi cette belle gosse quand même. Bon, écoute, Noopy, c'est bien. Mais maintenant, tu as peut-être un petit peu faim. Donc, ce que j'ai fait, les amis, c'est que tout simplement, j'ai eu la superbe idée d'acheter un distributeur à croquettes à 120€. Et en fait, tout simplement, je vous montre ce qui se passe en direct sur le téléphone. Comme vous pouvez voir sur le téléphone, là, il y a une caméra en fait. Si je mets un devant, vous voyez, regardez, hop, là, on voit mon doigt et tout. Et ce que je peux faire, c'est extrêmement simple. J'ai un bouton feed. J'appuie dessus et tout simplement je peux donner des portions de croquettes. Et en fait là par exemple si je mets deux portions de croquettes, il y a écrit weigh about 20 grammes. Donc ça va lui donner 20 grammes de croquettes. Donc là écoutez bien et regardez bien ce qui va se passer. Attention, je vais mettre les croquettes maintenant. Bah tiens, hop, elle a écrit Phoenix Success. Et là du coup on la voit en train de manger des croquettes sur le téléphone. Et là bah du coup elle se régale. Là elle a 20 grammes de croquettes. Et ne vous inquiétez pas, je gère un petit chat de... Parce qu'elle a 4 mois, du coup Noopy elle est née le 1er janvier 2022. Tout simplement c'est 60 grammes de croquettes à peu près par jour qu'il faut lui donner. Puisqu'elle vient d'arriver à la maison juste avant, on lui a donné 10 grammes pour voilà, voir comment est-ce qu'elle s'en sortait avec le distributeur. Là on lui redonne 20 grammes de croquettes. Et d'ici ce soir on lui redonnera 30 grammes. Et voilà. Mais on n'abusera pas, il faut respecter les quantités Noopy, d'accord. Tu ne mangeras pas plus que ce que tu dois manger par jour, d'accord. J'ai envie que tu restes en forme, ok Noopy. En plus, ça, je sais pas si vous avez vu, mais juste ici, j'ai tout simplement mis un distributeur d'eau en fait. Et elle s'amuse avec le distributeur d'eau. Il y aura une vidéo que Eva elle a prise tout à l'heure. Elle s'amusait avec le distributeur d'eau. C'était trop mignon. Trop mignon, les gars. Je suis trop content d'avoir un petit chat à la maison. Les gars, j'ai tout simplement créé un compte Instagram. Non. Le chat a créé son propre compte Instagram, bien évidemment. Son compte Instagram, c'est Noopy le chat tiré du bas sur Instagram. Vous pouvez le suivre à partir de maintenant. Le compte est créé. Donc n'hésitez surtout pas à le suivre, les gars. Il fera des stories. Il y aura plein de photos. Ça va être trop marrant. Et voilà. Donc là on peut voir sur l'écran de mon téléphone que tout simplement elle est en train de manger. Et j'ai une autre option en fait, il y a le bouton parler. C'est à dire que si j'appuie dessus en fait, elle va m'entendre par la distance. Donc juste envie de voir si elle réagit ou si elle a peur. Attention, j'appuie, on va voir. Coucou Noopy. Coucou. Hey, comment elle va? Comment tu vas? Oh, réponds-moi Zobie. Oh, j'ai payé ça 120€, tu vas me répondre. Ok les amis, désormais nous allons faire un test de rapidité. Et rapide, est-ce que Noopy est joueuse? C'est ce que nous allons voir tout de suite grâce à ce petit jouet qui visiblement au premier abord elle aime extrêmement beaucoup depuis qu'on est là. Regarde. Théma, comment elle me regarde? Oui. Oh. Oui. Oui. Noopy. Waouh. Allez, va. Regardez ça. Wow, elle a fait un saut de James oui, Bond. Oui, et bientôt il pourra allumer l'interrupteur. Oh, attends, on va faire un petit test. Tiens, celle-là, elle va allumer. Youpi. Oh, wow. T'as vu le saut qu'elle a fait. Elle a failli allumer l'interrupteur. Aïe. Elle s'en bat les couilles. Elle s'est fait attaquer par un chat, no problème. Est-ce que tu penses que je aime bien la bagarre? Ouais. Oh, c'est pas de la bagarre, ça c'est juste des câlins. Je crois, elle a essayé de t'en caler une. Elle a essayé de me foutre un petit coup de poing, on l'a vu le replay là. Je sais pas si vous avez vu les gars, mais Noopy elle a une particularité, c'est qu'en fait elle a des chaussettes. Ses petites pattes à l'avant, regardez. Elle a des petites traces blanches devant, juste devant là, ça fait des petites chaussettes. Attends, montre-toi. Et puis là, elle a des chaussettes hautes. Là. Oh, bah, non. J'essaie de lui montrer qu'elle a pas le droit d'aller jouer avec le pot de fleurs, de plantes. Oh. C'est une attaque spéciale. Mais wesh. Les gars, j'ai envie d'essayer de faire l'outro, mais elle veut pas. Noopy, allez, viens. Coucou, c'est papa. Reculons. Yop. Mais viens là. Tu viens. Ah. Ok les amis, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Elle a le cœur qui bat. Oh, bah oui, elle a pas de bruit. Elle veut pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle veut pas faire l'outro. Elle finira par m'aimer un jour, je pense. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis trop content. Je suis vraiment hyper content d'avoir Noopy à la maison, tout simplement. Ça fait trop plaisir d'avoir un petit chat à la maison et c'est trop cool. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Bonjour, au revoir, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Brice. Ciao les gars. Ciao. Au revoir avec les petites pattes. Au revoir. Oui.